Bon, journée artistique. Mila fait de l'art. C'est un parking, elle me disait. À moi d'amour. Oui. Et là, c'est le ciel avec toutes les étoiles. C'est le ciel avec toutes les étoiles, ok. Il y en a qui sont pas bien faites, mais c'est pas grave. C'est pas grave, mon amour. Tu vois ce que ça donne. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vous prends en... début d'après-midi. Il fait encore plus ou moins bon aujourd'hui. Au niveau du programme du jour, pas grand chose de prévu. Je ne sais même plus marcher, hein, c'est-à-dire que j'arrive même plus à me lever. Donc là on est au bout du bout. Je ne sais même pas si j'arriverai à vloguer les prochains jours. Donc je vous promets rien parce que je ne sais pas si je serai encore capable, voilà, de filmer, etc. les jours qui arrivent, étant donné que j'ai en fait un mollet qui est tellement courbaturé à force de faire des crampes, parce que j'ai des crampes très violentes la nuit. Donc je tiens pratiquement plus sur cette jambe là. Et j'ai tellement mal au ventre, dans le bas du ventre, etc. Je n'arrive presque plus à marcher, voilà. Bref, c'était pour la petite info, comme ça vous savez. Quoi d'autre, Alex aujourd'hui fait un peu de moto dans le champ à côté de chez nous. Parce qu'en fait elle est à rôder. Donc si vous voulez, quand vous achetez une moto neuve, bah il faut, je sais pas, il faut la roder en fait. Je pense qu'il faut rouler d'une façon, pas la pousser trop dans les tours, etc. C'est comme une voiture quoi, il y a un rodage à faire. Et du coup il fait ça dans le champ derrière chez nous parce qu'il connaît, bah, il connaît bien le proprio et il veut bien. On fait des petites modifs dans la chambre de Mila aussi, je voudrais rajouter un ou deux cadres. On va accrocher aussi les, vous savez, les ronds de porte, etc. Enfin les ronds de porte. Les trucs que je vous ai montré il y a un ou deux vlogs pour mettre sur les portes des enfants, etc. Je suis très fatiguée, je suis désolée. Donc voilà, plein de petites choses à attacher, etc. Plein de mignonneries. Et puis voilà, ce sera déjà ça de fait aujourd'hui. Ce sera déjà bien si on arrive à faire tout ça. Alors on est en train d'attacher sur les portes des enfants les fameux noms. Que la demoiselle m'a fait, qui sont trop beaux. Je vous remettrai son lien si ça vous intéresse, pour ceux qui n'ont pas suivi hier ou avant-hier. C'est tellement joli, j'aime trop, c'est trop beau. Bon, du coup voilà ce que ça donne sur la chambre du baby chou, trop joli. Et sur la porte de Mila, ça donne ça, c'est trop beau aussi. Bon, Alex a le permis j'ai appelé mon voisin en fait. Ouais, c'est ça. J'ai dit, écoute, t'as fait un labour d'hiver dans ton champ, t'as pas tout fait, je peux l'utiliser. Il m'a dit, bah y a pas de souci, vas-y, fais des grosses ornières dedans. Il m'a dit, si jamais t'as pas assez de place, j'ai un autre champ de je sais pas combien d'hectares, je vais pas le faire tout de suite, tu peux l'utiliser. Donc j'ai le droit à 250 pilotes, pas plus. Non, mais je suis en train de roder la moto. Et donc je vais tester la moto. Là, elle a tort. Il va falloir que je fasse floquer mon maillot là. La question c'est, est-ce que je laisse le numéro avec Mila? Mais Owen, il va naître un 20 et quelques, ou alors le 1er mars. Ça fera 12-1, s'il naît le 1er mars. Ça fera 121 pour mon numéro. Tu aimes bien? Bon, je vous reprends un peu plus tard. Je voulais juste vous montrer, on a attaché du coup ce miroir qui est de la même créatrice que les noms sur les portes. Vous entendez les oiseaux chanter dehors. Ça chante bien. Donc voilà, je trouve ça super joli. Je savais pas trop où l'attacher et là je trouve que c'est cool, voilà. Et puis les cadres que je vais rajouter, en fait on a décalé celui-ci un peu par là. D'ailleurs on voit que le mur s'est jauni un petit peu, mais ça va se remettre je pense. On a décalé ça un peu par là et je voudrais mettre deux cadres ici, qui sont ces cadres là en fait. En fait c'est ce cadre là et un second. Mais le problème c'est que ces cadres là c'est des cadres de chez Action. Je savais pas, il n'y a pas d'accroche derrière, j'ai pas fait attention, c'est ceux à déposer.
Donc il faut qu'on rachète des cadres, donc on fera ça à mon avis plutôt demain, voilà. Alors j'ai de nouveau reçu des petites choses de la part de Mamselle Wool, c'est une nana qui fait de base des bandeaux en laine pour les petites filles, je vais vous montrer, elle m'en a envoyé deux pour Mila qui sont trop beaux. Et elle m'a envoyé des noms en laine, enfin elle m'a envoyé ça, plus ça, j'ai trouvé ça mais tellement chou, tellement mignon. Je sais pas si je vais pouvoir le mettre dans le fond là-bas ou carrément l'attacher ici, ça pourrait être trop joli. Franchement c'est pas trop mimi ça. Je trouvais ça super original. Alors elle me les a envoyés vraiment pour me faire plaisir parce qu'elle m'a pas dit qu'elle me faisait ça ni quoi que ce soit. C'est pas quelque chose que j'ai commandé moi-même. Donc c'est vraiment super gentil de sa part. Et donc pour Mila elle m'a créé ça. Un petit bandeau comme ça mint qui est très joli avec une espèce de grosse perle en paillettes. Celui-ci beige qui est très joli aussi. Et elle m'a carrément fait ça. Regardez comment c'est joli. Je sais pas encore où je vais le mettre parce que j'ai vraiment de moins en moins de place dans la chambre. C'est un porte-barrette en fait, enfin un porte-pince, etc. Vous pouvez attacher les petites pinces dessus et l'attacher au mur. C'est vraiment très joli avec les petits pompons. C'est vraiment trop mignon. En tout cas, si ça vous intéresse, je vous remettrai son lien en barre d'infos. Elle a un Instagram, etc. Elle fait plein de créations comme ça. C'est vraiment super mignon. Alors, un truc qu'on vous a pas montré, c'est qu'hier soir, Catherine a refait un moulage. Différent avec une autre matière qui s'appelle de l'alginate. Voilà, et il y avait des petites imperfections du coup qu'elle a retouchées à la main, j'ai envie de dire ça comme ça. Donc c'est bien sûr mon ventre, vous pouvez le voir avec mes mains, mais c'est quand même super canon, je trouve ça mais tellement 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 joli, c'est impressionnant, je trouve ça trop beau. Et c'est dans ce sens là. C'est trop joli. Ouais, fais gaffe de pas le casser. C'est trop beau, franchement. C'est trop trop beau avec mon nombril qui ressort. C'est le vrai, hein, il est là. Il ressort vraiment. J'adore. Bon. Je vous reprends désespérément. Avant de me coucher, j'ai mal au ventre, je ne peux plus. Je pense que je n'aurais pas vendu du rêve pour cette fin de grossesse aux mamans en début de grossesse ou à celles qui veulent l'être prochainement enceinte, et je m'en excuse. Mais bon, je ne vous cache rien, hein. Je ne montre que la vérité, voilà. C'est pas tous les jours facile, surtout à la fin. Sur ce, je vais vous laisser maintenant. J'espère en tout cas que ce petit vlog vous aura plu. Je compte sur vous comme d'hab pour le liker, puis je vous retrouve dès demain pour de nouvelles aventures.